L'étoile des maux du monde. Il était une fois une méchante sorcière qui vivait à côté de la mare enchantée de Guisenier. Sa maison était faite de biscuits et de bonbons pour attirer les enfants de l'école. S'ils mangeaient un morceau de ces sucreries, immédiatement ça les transformait en pâte à gâteau. La sorcière n'avait alors plus qu'à rouler cette pâte et avec des emporte-pièces, elle fabriquait des biscuits de toutes les formes qu'elle se régalait à manger. Un après-midi qu'elle sortait du four, ses pâtisseries, un petit biscuit en forme d'étoile, sauta de la plaque du four et s'échappa. Je file, tu ne m'attraperas jamais, vilaine sorcière. Il a très peur. Tout essoufflé, Étoile s'arrête quelques instants près d'un pommier. La sorcière ne semble plus l'y courir après. Il est triste, il pleure des larmes de gâteau. Il faut que je sauve mes amis, mais je suis si nulle et je ne sais pas comment faire. Tout à coup, le pommier se réveille. Il se met à parler. Je suis le pommier sage. Je sais comment tu peux faire. Va voir des gens qui parlent d'autres langues et demande-leur de te donner des mots qui font du bien. Avec ces mots, tu pourras créer ta formule magique qui redonnera forme humaine à toi et tes amis. Merci beaucoup, pommier sage. Je file, je suis Étoile, je vais chez Noémie. Elle nous chante souvent des comptines et des berceuses en créole quand on est en classe. Devant Noémie, Étoile est toute timide. Elle est habillée comme sur l'île de sa maman, la Guadeloupe. Bien bonjour, Étoile. Qu'est-ce qui t'a passé? Aurais-tu un mot qui fait du bien à me donner pour sauver mes amis? Assiré papetette baillie. En quel cri son senti à robe en moi pour ou pas oublier? Lui tend la ceinture de sa robe sur laquelle elle a écrit « Tant pis souffler, fais-moi du bien !» Ce qui signifie « S'il te plaît, fais-moi du bien !» Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Répond en cœur Noémie et sa maman. Je file, je suis étoile. Je vais chez Alexandre parce qu'il est arrivé en septembre d'Angleterre et il pourra me donner un mot en anglais. Hello, how are you, Star? Coucou Alexandre, j'aimerais un mot gentil en anglais. Alexandre se met à chanter une comptine anglaise dont il a changé quelques paroles pour étoile. Twinkle, twinkle, little star, go and save all your friends. Twinkle, twinkle, little star, go and show your big courage. Étoile reconnaît le mot courage et le prend comme un beau cadeau. Le mot courage me donne encore plus envie d'aller délivrer mes amis. Tout à coup, une dame arrive à côté d'Alexandre. Sawad Dao. I am Alexandre's mother.
I speak English, but I come from Thailand. Take this piece of paper. I have written on it a word that can help you. Et toi, elle comprend un peu l'anglais car ils apprennent cette langue à l'école. Elle lui explique qu'elle est née en Thaïlande mais qu'elle parle aussi anglais. Elle lui offre un mot en thaïlandais. Elle lui a écrit sur un bout de papier car ils n'ont pas la même écriture que nous. Wan Wai Wang Jai. Ce qui signifie confiance. Et toi, elle est très surpris. Il finit par retrouver le son de sa voix et dit thank you avant de s'en aller. Goodbye, star. Lagoon Dao. Je file, je suis étoile, j'étoile, je suis star, je suis Dao. Je vais chez Julia pour avoir un mot dans une langue encore différente. Bom dia, Estrella. Ils sont ensemble, Julia et sa maman en portugais. Enaki, octage. Et toi, lui explique toute son aventure. Monte dans la main que la maman lui tend pour pouvoir lui murmurer un mot magique en portugais. Amizade. Ce qui veut dire amitié en portugais. Ce mot est si bien trouvé. C'est pour sauver ses amis qui font tout ça. Étoile remercie la maman, saute de sa main et court vite. Adios à Estrella. Je file, je suis étoile, étoile, star, Dao, Estrella et je vais chez Chantal. Elle habite depuis très longtemps le village et elle pourra certainement elle aussi m'aider. Bonjour Poulo et elle. Qu'est-ce que tu veux thé? Comment tu dis gentil en normand, toi qui parles encore cette langue? L'accès contre Amel. Gentil c'est jatil. C'est rien bien. Allez à tato. Pide bonbon. Pide gomme poulet poulot. Étoile lui fait un câlin et repart. Il est si content d'avoir pu récupérer tous ses mots. Il court cette fois-ci en direction de la maison de la sorcière. Je file, je suis étoile, star, Dao, Estrella, je suis le poulot étel et je retourne chez la sorcière pour sauver mes amis. En passant devant les maisons de tous ses voisins, il s'aperçoit que des mots l'accompagnent. Ce sont des mots de toutes les couleurs. Des mots arc-en-ciel, ce sont des mots de toutes les langues.
mais ce sont surtout des mots qui viennent du cœur. Rencontre. Différence. Cosmos. Paz. Paz. Respecto. Amore. Tu t'es tout acquis. Robin. Fantastique. Pour trouver la formule magique, il faut maintenant qu'il se concentre. Comme à chaque fois qu'étoile ressent une émotion trop forte, les mots ne sortent plus de sa bouche. Il parle alors la langue des signes. La sérénité. Il la dessine avec ses mains. Il la ressent à l'intérieur. Ça y est, il a trouvé la formule magique. L'étoile a assemblé les mots comme s'il écrivait un poème. Il le récite à voix haute. Tant pis, s'il vous plaît, fais-moi du bien. With courage. Et Kwam Wai Wang Jai. Amisade, je retrouverai. Et hop, ben ça alors, la sorcière a disparu et à sa place, une belle lumière apparaît. Il a transformé la vilaine sorcière en gentille fée. Quand Étoile voit cette jolie fée, il en tombe directement amoureux. Avec sa baguette magique en forme d'étoile, elle retransforme tous les petits biscuits en enfants de l'école. Tout est bien qui finit bien, happy end. Toi qui viens d'écouter cette histoire, quand tu apercevras une étoile filante, pense à faire un vœu et peut-être qu'il se réalisera.